Donc là, on arrive dans un immeuble à Oman Point. Donc, premier truc, faut toujours repérer cette affiche du numéro du Nator. D'accord. Donc, ça, c'est le numéro du Nator. On va l'appeler. D'accord. Donc, on appelle le Nator. C'est le premier truc à faire. Donc, ça, c'est l'immeuble. Là, on est en face de, on est en pleine face de la mosquée Cherzé. D'accord. Donc, j'appelle le Nator. Allô. Allô, salam alaikum. كيف انتم بخير؟ صديق في موجود غرفتين وصالة؟ وغرفة وصالة في موجود؟ موجود. أين؟ يعني شو يعني؟ نعم أنا تحت الآن موجود في البناية. أوكي أنت يجي؟ أوكي voilà. Donc là le nateur il arrive là. Il arrive là, on vient de l'appeler. Donc, premier truc qu'on a fait, on est arrivé dans l'immeuble. Donc on a choisi notre quartier avant tout, hein. Donc on arrive à Oman Point, nous on a repéré cette mosquée, on a repéré dans ce quartier, on a, je ne sais pas si j'arrive à zoomer là. Donc on arrive à zoomer là. Donc là, vous voyez qu'on est juste en face d'un mall. Ok, Lulu Center, donc c'est un centre commercial. Non, bonjour, Nathan, bonjour. Ok, voilà. Donc voilà. Bismillah, c'est parti. Pas tout, mais c'est Rolfonsala. Rolfonsala? Ouais. M. 502. Il est où Nata? Il est parti là, mais il est ouvert. 502, hein? Ouais. Ok, bismillah, c'est parti. C'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux de la vidéo, les effets locaux. Donc voilà, donc là c'est mystérieux. 500 quoi, il y a dit? 502. Donc voilà, en général, donc le Nator, il vous donne un numéro d'appartement, vous montez, en général c'est ouvert. Et là, vous allez visiter. Si l'appartement il vous plaît, vous demandez le numéro soit du owner, c'est-à-dire celui à qui appartient l'appartement, ou soit de l'agence. D'accord. Et ensuite, à partir de là, vous appelez et vous prenez un peu. Donc, celui-là, c'est parti. Quel côté? 502. 502. Ah ouais. 502, de l'autre côté. 500, ça sent les yeux, hein? Ça me paraît sûr dans le couloir. 502. Moi, l'appartement, ce que je vais vous montrer, c'est les jardins d'éclairage. Ah, très bien. Et celui-là? Attention, celui-là, c'est parti. Voilà. Donc là, on arrive, c'est la chambre, le salon. Bon, déjà, c'est très bien éclairé. Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un très bon point. Ouh, joli balcon avec en pleine face la mosquée Cherzé. C'est pas mal, hein, la vue. Hein. Sérieux? Attendez, on va pas juger trop vite. Donc, s'il fallait choisir par rapport à ça, déjà c'est pas mal. Donc, je vous dis, centre commercial ici, la mosquée ici, et je vous rappelle, il y a une mosquée juste en bas. Et là, après, là, c'est le désert. Ok? Ensuite, attention, je passe. Donc, ici, les toilettes. Les toilettes, ok? La cuisine. Bon, des fois, c'est peut-être pas au goût de ce que vous recherchez, mais vous pouvez faire des changements. Voilà. Ensuite, vous avez ici la chambre. Bon, ça m'a l'air petit. Voilà. Bon, en tout cas, on a compris le process. Ensuite, on va rappeler le Nator pour lui demander. Pour lui demander combien cet appartement. On lui demande le prix de combien cet appartement. Et ensuite, prendre la décision. Alors, ça m'a comme ça dit. Anna Shuft Hadal Rurfa Shaka 502. Hada Kamiji Hada Sanawiya. Hada 21. 21? 21,000. وكيف كم تشيك؟ هذا 4 تشيك. 4 تشيك ها؟ ما في ديبوزيت وهذا شيء ما في شيء؟ في ديبوزيت في اثنين. كم ديبوزيت؟ 2,000. 2,000 هذا كهرباء او ديبوزيت شركة؟ هذا كهرباء. ها؟ كهرباء ديبوزيت 2,000. كهرباء اوكي وماي؟ ماي؟ ها؟ ماي ديبوزيت؟ My deposit. Come.
2000 du coup. 2000, ok, chocolat. Ok, ça le fera pas. Ça va être bon. Donc je viens d'avoir la réponse du Nator. Donc cet appartement, je viens de l'appeler. Il m'a dit, donc appartement, une chambre, situé à Mouenpouen, en face de la mosquée, il m'a dit 21 000 dirhams. Donc appartement, une chambre. C'est pas mal, 21 000 dirhams. Après, bon, je pense qu'il y a quelques trucs à faire en maintenance, par exemple ça, ça peut changer. Mais voilà, on a le prix pour 21 000, ça fait 21 000 dirhams. Si vous voulez savoir combien ça fait en euros, vous divisez par 4. Voilà, comment c'est comme ça, ouais.